Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne L'Évangile 777. Et vous allez suivre la leçon de l'école du sabbat avec le présentateur Dilus Félix. Chers frères et sœurs, amis nous, bonjour et bonsoir. C'est toujours avec même plaisir encore pour nous capables de retrouver nous ensemble. Nous prenons étudier leçon école sabbat. Mais juste avant, quittez-nous que nous gagnons l'autre intervenant ensemble avec nous, qui c'est Claudel André. Ensemble, nous prenons parler en pile bagaille dans les sons. Déjà, nous mettez-nous et nous à l'écoute. Prends questionnaire nous, prends Bible nous, ensemble, nous allons décortiquer les sons. Mais juste avant, nous avons coupé tête nous, Saint-Nicolas a fait un coup de prière pour nous. Dieu trois fois saint, nous remercions Seigneur pour l'amour, pour grâce au fait. Merci encore Seigneur parce que nous avons l'opportunité pour nous ouvrir la parole. Nous demandons Seigneur pour capable expression par nous, afin que Seigneur nous capable mieux comprendre la parole. Et si là où Seigneur cap écouter, nous capable mieux comprendre la parole également. Fais-nous grâce, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Alors, frère Félix, Jean qui nous te dit là, donc nous gagnons nouveau intervenant ensemble avec nous qui c'est Claudel André. N'a passé directement dans leçon que nous gain appétit j'ai pas dans ces maintenant, les titrer leçon d'histoire de Moïse. Et verset à mémoriser à nous joindre dans 1 Corinthiens 10 verset 3 et 4. Qui ça lui dit? On tous mangé le même aliment spirituel et ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Donc, chers frères et sœurs, là, c'est encore apôtre Paul qui t'a parlé ensemble avec les peuples de Corinthe. Qui ça lui t'a dit comme ça? Si nous rappelons le peuple Israël qui était dans le désert là, ensemble avec Moïse, pas oublier, et t'es gagné t'es qu'on couvrir peuple là pour t'es capable empêcher soleil t'es capable bouler yo dans désert là pas oublier que peuple là lui-même encore il était traversé la mer rouge à pied sec et dans désert là bon Dieu t'es qu'on voyer la manne pour yo yo t'es qu'on manger donc aliment ça qui c'est aliment spirituel que peuple là lui-même il t'es qu'on manger donc nié qui t'es couvrir peuple là il aura rappelé nous que eh bien nié ça c'est une sorte de baptême qui est lié traverser la mer rouge à pied sec donc c'est une sorte de baptême que peuple là lui-même il t'est prend en Moïse donc rocher que t'es qu'on a bread loi donc rocher ça il t'est symbolisé Jésus-Christ en nous passé exactement dans la partie principale, nous, qui c'est lundi 4 octobre. Partie ça, le titre prophétie accomplie. Là, nous parlons des prophéties eh bien, qui accomplissent dans la partie ça. Donc, il faut nous comprendre que malgré quelques erreurs que la science moderne a lui-même fait, qui a tenté pour être capable de promulguer quelques vérités sous question. Sous question univers que nous même jeudi à nous à vivre là qui ça yo t'a dit comme ça que yo fait nous comprendre que univers comme si c'est lui même qui était comme si qui était créé tête lui à propre tête lui c'est lui même et eh bien qui était fait tête lui nous était capable dire univers était comme ça lui créé yo t'a apprendre nous que nous même ou bien tout le monde qui vit sous la terre, c'est des bagailles qui viennent. Donc, bagailles ça yo, c'est pas hasard que yo t'est arrivé fait. Non, c'est pas hasard que yo t'est arrivé fait, soit à partir des produits chimiques. Donc, bagailles ça yo t'est arrivé fait. Nous, on série de monde juste qui t'a tenté pour être capable, eh bien, défier, eh bien, puissance créatrice, bon Dieu. Donc, nous, Jean, des bagages ça donc nous-mêmes les adventistes ou bien nous-mêmes les chrétiens qui a su Jésus c'est un débarrage pour que nous-mêmes pour nous pas croire là-dedans pour nous capable pas croire là-dedans donc ainsi je dis nous bon Dieu lui-même si que lui précis dans bagage physique qu'il a fait eh bien certainement la précis dans chose spirituelle que bon Dieu lui-même lui a fait tout lui fait
Donc, ça fait que je dis nous que dans verset ouvert de Deutéronome, nous capables ouais que à propos incroyable précision que bon Dieu lui-même li bail. Donc, yo ba nou yon texte là, frère Claudel, pour nous capables lire, qui c'est Deutéronome 1er, verset 1 à 6, quelle est la portée prophétique du fait que Deutéronome 1er, verset 3, parlait de la 40e année. Frère Claudel, ou pral expliquer nous, ou bien en soi, ou pral dire nous, qui ça, eh bien, qui portée prophétique là, nan parti ça. Oui, frère Rochnel. Ou konen Moïse li menm li te voye espion yo al espionne ter Kanaran pou konen koman vi a liye sou ter Kanaran. Men, le espion yo te retoune, yo pat bay Moïse bon rapor sou vi ki genyen e sou ter Kanaran. E pi, pwiske yo pat bay Moïse bon rapor sou vi ki genyen sou ter Kanaran, peuple là lui-même il était commencé à plaindre la plainte by bon Dieu parce que il pensait que les arrivés sous terre Canaran et via pas tellement bon pour eux que ça c'est ça fait il était à plaindre by bon Dieu lui-même qui c'est ça fait bon Dieu lui-même il était venu arriver un moment il lagué prophétie a il était dit combien jours nous t'ai fait pour nous espionner Terre Canaran, eh bien, qui c'était 40 jours, eh bien, puisque il a fait 40 jours pour espionner Terre Canaran, eh bien, bon Dieu lui-même li lagué prophétie sur yo pour te dire bon, eh bien, n'a porté peine péché nous, peine iniquité nous pendant 40 années, mais kounya là, aspect prophétique qui gagne, c'est que les 40 jours il a fait avant c'était 40 jours mais kounya la 40 jours yo pral fè a c'est avec yon jour pou yon année et ben qui signifie que yo pral fè 40 années a pote pen iniquité yo ou on pense que c'est ça qui gagne non c'est ça qui gagne comme aspect prophétique et ou bien comme portée prophétique dans Deutéronome 1er verset 3 Léo parlait de 40e année et bien côté que bon Dieu lui-même il pral et accompli et prophétie. Je pense que c'est ça. Donc Jean que vous expliquez là frère Claudel c'est exactement c'est comme ça qui est lié. Donc nous capables dit également frère Claudel et frère Félix et Deutéronome nous capables ouais il te reprend et bien dans 4e dans 40e année et bien prophétique qui te bail là Jean que l'était dit là exactement Jean que bon Dieu lui-même l'était dit là c'est comme ça lui-même l'était arrivé nous capable dire en d'autres termes que parole prophétique bon Dieu yo lio aussi digne de confiance que bon Dieu lui-même nous capable dire comment nous capable dire ça nous capable dire que et bien parole ça ce sont des paroles que nous-mêmes nous capable croire là-dedans faire confiance parce que Jean que bon Dieu lui-même l'était dit là c'est comme ça que parole ça yo même yo fait ou bien prophétie à Jean que bon Dieu lui-même lui dit là c'est comme ça prophétie à lui-même lui accompli donc ça que nous capable ouais encore dans verset ouverture de Deutéronome là c'est preuve de fiabilité ça bon Dieu annoncé que peuple a fait 40 ans dans le désert et peuple a également fait 40 ans exactement dans désert là c'est fiabilité ça que nous-mêmes que nous capables miser sur ça nous capables miser sur ça pour nous capables ouais parce que Jean que bon Dieu lui-même lui dit l'a fait là c'est comme ça que bagaille là li fait ou à suivre les seules écoles du sabbat en créole des périodes prophétiques encore qui étaient faites par exemple dans Daniel 9 verset 24 27 nous te ouais une période prophétique qui t'est parlé de Jésus et Jean que période prophétique là lui-même il parlait à l'été annoncé là c'est exactement Jean qu'il dit là c'est comme ça ça arrivé c'est comme ça lui-même il était fait et nous ouais yo ba nou dans Daniel 8 frère Félix yo ba nou yon 2300 jours dis-nous en gros
2300 jours ça qui salté en fait. Expliquer et bien zanmi nou yo, expliquer frère nou yo comment ça. 2300 jours tout, li compte année prophétique, c'est 2300 années. Yo ba nou 300 jours mais c'est 2300 années que sanctuaire lui-même était gain pour lui purifier. Donc frère Félix, nous senti nous content pour façon que ou t'es porté à jour pour façon que ou t'es expliqué peuple à 2300 jours là. Et dans les soirs on go nous capable voir yo miser sur fiabilité. Yo miser sur confiance et puissance créatrice mon Dieu. Donc nous même qui en tant que chrétien, donc nous lorsque bon Dieu lui-même lui dit on bagaille, nous doit croire que Jean que bon Dieu dit là c'est comme ça la privé et prophétie yo pouvait nous ça exactement. À chaque prophétie que bon Dieu lui-même lui bail, Jean que lui dit là, c'est comme ça la prophétie lui-même lui accompli. C'est ça fait nous-mêmes, nous gain le devoir encore plus pour nous capable confier nous plus dans bon Dieu. Nous seulement arrêter pour nous capable dit frère accès nous yo. Merci parce que yo te prend sang yo te prend temps yo pour yo te capable tendre nous ou bien pour yo te capable étudier les soins ensemble avec nous sans que nous pas oublier pour nous dire pour yo capable toujours partager les soins soit dans groupe que yo est pour yo capable abonner et pour yo capable like lorsque ou partager les soins ou fait plus amis nous ou fait plus frère nous ouais les soins. Si vous pouvez abonner, faites le connaître. L'Évangile 777. Merci à vous d'avoir suivi la leçon de l'école du sabbat avec nous sur L'Évangile 777. Nous vous donnons rendez-vous à une prochaine leçon pareille. Merci.